moi, je m'attache facilement. Puis, tu sais, de toute façon, quand je. Non, écoute, moi, je me suis attaché trop facilement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hey, fuck! Ah, fuck off! Non. Tu me connais pas, toi. Fuck off, c'est con. Je me suis attaché facilement. Ah, non, tu me répéteras pas ça deux fois, c'est pas vrai. Célibataire. Samuel, Mathieu, David, Steve, Yannick, Hugues. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Love Story, c'est vous qui décidez. Bon début de week-end tout le monde et bienvenue à Love Story. Ça a été encore une fois une semaine très intense pour nos lofters qui ont quand même réussi à atteindre leur objectif de Montréal à Chicoutimi en vélo tandem. On leur avait promis une récompense, bien chose promise, chose due. Donc hier soir, on leur a préparé une fiesta latina, donc on vous montre ça plus tard à l'émission. Aussi, une autre histoire à suivre, celle de Hugues, puisque le cœur de Hugues vacille entre... En fait non, je vous laisse découvrir ça plus tard à l'émission. Mais pour l'instant, on va aller découvrir Nadia qui continue de transporter le lourd fardeau de la solitude sur ses frêles épaules. Succès, un défi sportif. Aujourd'hui, le propriétaire vous lance un grand défi gastronomique. Ah non! Vous devez cuisiner, en équipe de deux, le gâteau streusel aux pommes et aux noix. Coup de pouce. Pour ce défi, Léa occupe un poste clé, juge en chef. Oh! Ok, là, Julie, on va commencer ça avec quelque chose d'important. Okay. Oui, ah ben là... Le niveau d'énergie. Let's go! Yeah! Yeah! Ici, là. Ici. Yeah! On est prêt, on est prêt. Un petit puncher. Une cuillère à table de poudre à pâte, deux tasses de sucre, une tasse d'huile végétale, quatre œufs. On n'a pas de gaz, là. On n'a pas de gaz. Ça va vraiment pas, je fais un gâteau, je suis désolée. Ah, pas de problème, ma chère. Moi aussi. Pour vrai? Oui. Nos pommes, pas trop chaud. Caramélie, n'est-ce pas? Oui, madame. Donnez la plus belle. Là, je peux pas la donner chien. Je suis bien, ça va bien, hein? C'est la recette de coup de pouce. Ça fait choix d'être bon. Oh, oui, exactement. Pincé comme ça? Oui, moi je prendrais des. C'est ça. Puis on saupoudre. Je vais tirer du feu. Combien de zestes? Nous, on va être prêts à le mettre au four, hein, pareil. Puis bon. Après ça, c'est 2 heures, puis personne ne te l'ouvrait. Bon, on va attendre. On va peut-être attendre qu'il y en ait 2 de prêts. Ben, qui est choisi? On approche. Love Story. On va l'amener au centre de la table. Voilà. Ouais, fais pas de petite salade. Alors, on voit, c'est important pour nous que la pomme se retrouve en plein cœur du gâteau. Okay. On va commencer à monter la croûte ici. C'est chaud, ça, hein? La croûte toute seule. Ah, on va écouter, c'est sûr. Ah oui. Hey, Sam! Je vais mettre la note pour l'esprit d'équipe pour l'instant. Peut-être que tu veux y penser aussi, vu que tu as goûté. Attends d'avoir goûté à toute part, tu vas t'en rappeler. C'est ça, là. Ah, mais les esprits d'équipe, oui, mais. Je vais marquer des notes. Okay. Ah, bon. Brigitte! Brigitte! Oh. Parfait. Alors, ici. Je goûte toujours à la croûte en premier. C'est le moment de dégustation pour mon gâteau, ça te congé de manger. Ah, il a l'air très bon. Oui. C'est surtout que c'est Mathieu et Mélanie, le duo sans frontières. C'est bon.
Tu dis que la soupe est cuite. Ah, ça va. Je me couche en bouge, je bouge. Oh. Ah, attention. C'est quoi? Wow, que c'est beau à voir cette complicité qui s'installe entre Marie-Laurence et Samuel. Vous savez que si vous voulez qu'elle se poursuive, il n'en tient qu'à vous, puisque Love Story, c'est vous qui décidez. Si vous voulez que Nadia reste dans Loft, vous composez le 1-900-273-TQS1. Si vous voulez que Marie-Laurence reste, vous composez le 1-900-273-TQS2. En tout temps également, vous pouvez voter par la messagerie texte de votre téléphone cellulaire en envoyant votre vote à Loft0. Pour Nadia, vous faites le 1. Pour Marie-Laurence, vous faites le 2. Mais pour l'instant, allons voir une autre étape de cette complicité-là qui se crée entre Marie-Laurence et Samuel. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. On a 20 minutes en passant si on veut avoir notre alcool. 20 minutes. Oh, 20 minutes. Et là, vous lichez en dos, en bois, je vois là, 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 je ouverte d'esprit, qui veut voyager, qui est naturelle, et qui... De plat en forme d'or. C'est moi, ça, c'est ben, ça. Ben, c'est ça. Puis c'est tout... Tout qu'un zèque. Quand on a fait du fun, c'était toi. Mais je sais, je sais, je sais. Puis juste, je me dis, là, je me fais du fun, ça. Oui, c'est ça. Je veux pas qu'il y ait de frappe en tout. Puis moi, ça me fait chier. Je sais qu'il y a un frappe, mais ça fait 2-3 jours. Juste qu'on s'en va après, c'est ça. Comment est-ce qu'il y a pas de 100% Ah, non, je sais, je sais, je sais. Je t'ai garé même plus de secondes. Go, 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 go,
17 parce que... Ah, c'est ça. Mais l'âge, je me dis, gars, je peux peut-être rencontrer une fille de 32 ans qui n'est pas mature, puis une fille de 22 qui est super mature. Fait que ça, l'âge, ouais, tu sais, je ne me mets pas de barrière. Mais je me suis toujours promis d'avoir une femme de carrière dans ma vie. Une femme qui n'a pas de carrière. Exactement, t'aimerais-tu une femme, je ne sais pas, moins médecin, ou une femme bien, qui n'a pas de, ah, de diplôme? Moi, j'aime. Ben, oublie médecin. Quand je dis femme de carrière, la femme, la fille, elle peut être. Agente de service conseil à la Caisse populaire des Jardins. Au moins, elle a une carrière dans laquelle elle se développe. C'est pas autrement. Non, c'est ça. C'est ça. Vous perdu la tête et brillé. Oui, absolument. Vous avez perdu la tête. Oui. Serait-ce à cause de moi? Oh, absolument. Oh, c'est à cause de moi. Alors, love story. Ça me fait chier parce que... Attends, je vais vous trouver. C'est plus grave. Mais j'ai... Quoi? C'est juste en l'air. Ton nom? Non, t'as rien, chérie. Ouh. Bridget Faito. Non. J'ai tellement dans ça, je suis étourdie. Mais non, ça va. Ah, je sais, car je sais. On dit qu'on s'aime, Brigitte, on veut te garder en amie. Ensemble, les filles! Attends, ok, on s'embrasse, ça va être cool. Je sais absolument ce que tu faisais. Mais c'est parce que tout est pas dans moi. Moi, je m'attache facilement. Puis, de façon, non, écoute, je me suis attaché très facilement. C'est pas vrai. Hey, fuck! Ah, fuck off, facile. Non. Tu me connais pas, toi. Fuck off, facile. Je me suis attaché facilement. Non, tu me répéteras pas ça deux fois, c'est pas vrai. Je me suis attaché facilement. Ah, non. Tu sais, j'ai juste voulu avoir un feedback. Quand j'ai déjà un feedback, j'ai juste avoir. J'étais vraiment smart, t'étais un vraiment bon gars, mais tu sais, quand tu me fais juste dire, mais tu me pousses là, tu me cherchais à me sortir quelque chose, j'étais pas prête là. Ben c'est ça. Je suis pas capable. On est pas pareil depuis moi, c'est juste ça l'histoire. Tu me dis trop là que tu m'aimes là, je suis pas capable. Excuse-moi, j'ai un sentiment. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Ben c'est bien. Quelqu'un qui me dit qu'il m'aime, là, c'est comme beau, oui. Les gars, ils s'attendent trop de moi. Ça n'a pas rapport. Mais moi, je me disais juste que peut-être qu'il y a une chimie entre nous. Une crise de chimie. On a une compréhension, une histoire, on a de l'ouverture. C'est aussi ce que tu m'as fait chier, c'est parce que la semaine passée, on t'a ramassé dans ma chambre. Le matin, je t'ai dit ici, quand on avait un sèche, là, je veux juste pas qu'il y ait un problème, t'as pas fait. Inquiète-toi pas, y'a pas de problème. Hey, shut the fuck up! Le jour où on sera pas là, tu peux m'appeler n'importe quand. Franchement, tu comprends? La merde, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que depuis deux jours, c'est une fille, ça paraît. On dirait que t'as besoin de te faire. On dirait que. C'est pas assez que je te donne de mon temps. On dirait que t'en veux plus. C'est quoi? Tu comprends? Hey, je m'en suis avec toi, je te pense pas assez sur ta barnaque. Parce que c'est juste. Tu sais que tu veux que je fasse, là? C'est bon. Ok, c'est bon. Tout pis moi, là, on a les affinités. Oui, on le sait, ça. En tout cas, c'est cool. Je suis bien content qu'on ait mis des points essayés à soi. Amuse-toi, ma chance. Déjà, tellement, tout le monde. Tu sais, tu me dis que. Tu sais, t'as eu.
C'est ça, j'ai dit, je brisais. C'est ça. La modifie qu'elle avait faite, qu'est-ce qu'elle fait avec les ovules? Je sais, c'est ça. Je l'ai vu, de toute façon. Tu sais, avec tout, jamais on parlait à ça, puis tu me disais, j'ai connu ça. C'est vrai que j'ai connu ça aussi, puis tout, là. Même l'année, je dis que c'est toi la plus belle quand je suis rentré ici, j'ai dit, c'est vraiment. Hein? J'ai engagé 200 piastres. Regarde la petite Léa, là, à 21 ans. Moi, je trouve que je sais pas. Ben, moi, c'est vraiment pas mon genre. Moi, rentrer ici, là, je te jure, en tout cas. Ça me tente même pas, là, d'en parler. Mais hey, arrête donc, là, c'est pas vrai. Ah non, je sais. La première fois que j'ai. Auquel j'ai flashé, là, c'est toi. Quoi? Mais c'est pas ça. Personnellement, c'est vraiment la tour que je trouve la plus belle. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mélanie, elle est trop belle pour moi. Je te jure. Je ne ferai jamais rien avec lui, il ne m'en tient pas. T'as vu comment il était macho dans ses jours? Mais je sais, c'est l'habitat, là. Excusez les habitants, là. Mais... Je dois avouer. Mais. Je vais t'embrasser. Embrasse-moi. Mon conseil, c'est embrasser 30 secondes sur mon lit. Oui. Let's go. Ok, fallait. Vas-y, en premier, je vais t'en rejoindre. Non, sauf toi et toi. Et moi, en premier? Sauf toi, on s'en va. T'as fait ça avec Brigitte aussi, là? Non, je te jure, jamais. C'est vrai que j'ai volé un baiser. Quoi? Aussi, là, je suis... Parce que j'en ai des sentiments, OK? Puis je te l'ai dit tantôt. Je veux pas trop aller vite. Mais, non, je te jure. Je me connais pas tant que ça, puis moi non plus. Mais je veux pas que tu te payes ma gueule. Non, je te fais pas ta gueule, hey. Je suis quelqu'un de super simple. Je ne vais pas le dire ici parce que. Serais-tu prête à descendre au Saguenay? C'est combien de temps en char de si je viens te chercher à Québec, c'est 2 heures. Oui. Pour te voir, oui. Mais tu vas descendre à 57, tu m'as dit? Ben, je vais vivre là. Tu vas vivre là? Quand? Aussitôt que j'ai une job à moi. Ils me font chier, eux autres. Ça arrive, ils me font chier. Je veux pas qu'ils me filent. T'en vois. Tu vas t'embrasser pareil. T'as rien vu encore, ma chère. Oh, il va me faire capoter de main. Non, vous ne rêvez pas. Lors du dernier party, Hugues était avec Brigitte. Cette semaine, Mélanie, on a déjà hâte au prochain party, n'est-ce pas? Pour l'instant, pour ce qui est du ballotage, si vous voulez que Nadia reste dans le loft, composez le 1-900-273-TQS-1. Si vous voulez que Marie-Laurence reste, composez le 1-900-273-TQS-2. En tout temps et quel que soit votre fournisseur Internet, vous pouvez vous rendre au www.loftstory.ca pour voter ou pour garder l'action du loft 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le résultat de vos votes sera connu dimanche soir lors du talk show animé par René-Claude Brazeau cette semaine à 20h, à ne pas manquer. Bonne soirée et à demain 18h pour la suite de l'histoire. Je te mérite. Qu'est-ce que t'es belle? Toi aussi, parce que t'es vrai. C'est je sais que je suis vrai. Tu m'intéresses, Mel, OK? OK. On sort du site. Mais va-t'en. Va-t'en, là. OK, sors pas du site. Non. God, c'est la femme, la petite femme de Chris que je te gueule. Je vous souhaite une petite game de Chris. Je vous souhaite une game, astime.